Salut, station fréquence, les machos 13 à côté à vous tous de la part de Dandy 33. Voilà, et c'est parti pour la QSO nationale du canal 27. Alors, on est le samedi 19 mars 2016 et il est 21h. Alors, comme à chaque fois, une vidéo pour motiver les stations sur les autres parties, sur les autres départements. Alors, qui c'est qui est en fréquence ? Victory pour 27, l'opérateur Elic, 14 ODR 027, je salue tout le monde. Et ben, sur 1350 Eric, j'ai l'impression que ça va être coton ce soir pour le QSO, car il y a de la propagande AM là derrière, là, d'après ce que j'entends. Hein. Affirmatif. Mais là, ce soir, j'ai décidé de faire tourner l'autre poste, voilà, je ne sais pas si la réception est aussi bonne que le Victa. Et comme ça, je pourrais m'écouter avec la petite vidéo, voilà. Ah oui, affirmatif, hein, elle est bonne, elle est percutante. Hein. De toute façon, déjà, t'as une voix qui, sur n'importe quel poste, rend la modulation percutante, déjà d'entrée. Là, t'es favorisé de ce côté-là, quoi. C'est comme, t'as une petite anecdote en passant, je vois par contre Pascal, lui, il a plutôt Pascal 14ODR001. Lui, il a plutôt une voix sourde, et comme il n'est pas du genre à parler fort dans le micro, loin de là, ce qui fait que les stations à l'autre bout ont du mal à l'entendre. Résultat, il a pris un micro pré-rempli, et bien, tiens, le même que celui-là que j'ai dans le push, là, qui est en panne, là, maintenant, hachi. Et il s'est amusé à copier un peu le réglage que j'avais fait. Mais il passait pas plus fort pour autant. Il a dû monter largement le réglage pour qu'enfin on réussisse à l'entendre, quoi. Ok, ok, y a pas de souci, voilà. Mais écoute, je sais pas s'il y a d'autres stations qui sont là. Je te laisse le micro, voilà, vas-y à toi. Ok, alors, attention Cédric Dubarpe, je sais que tu en écoutes derrière. Des bonnes surprises de ce côté à toi Cédric, si on arrive à t'entendre, vas-y, on fait les grandes oreilles. Saint-Louis de Mont... Ah ok, t'as déménagé de... Oh ben merde, c'est, je viens de le dire. Merci, du BARP pour atterrir à Saint-Louis de Montferrand ce soir. Ok, ça marche. Alors pour l'instant, ben on vient juste de commencer, hein. Donc là il y a Eric, 14 Victor Eco 27, autrement dit 14 ODR 027, voilà, qui est sur le sud de Bordeaux. Retour de micro Eric pour Cédric qui est sur Saint-Louis de Montferrand. Okay, Cédric, pas de soucis, 73-51. Rebonjour depuis tout à l'heure, 73, j'espère que tu vas bien et que tu as fini tes bricoles. Voilà, retour. Ouais, tout à fait, ouais. Donc,
sur la fin, je t'entendais moins fort. Alors, avec la propague à M que j'ai derrière, ben pour le coup, ce soir, tout mon arrêt m'arrive au même signal, quoi. Chie. Et, bon, toi, Eric, que tu sois avec l'un ou l'autre compost, ben tu m'arrives pareil. Peut-être un petit peu moins percutant sur celui-ci, mais la modulation est exactement la même. Cédric, tu m'arrives avec une radio de 4. Je pourrais dire 5 si je n'avais pas la propague à M là, qui serait là derrière. De mon côté, ça a largement baissé, ça a bien baissé de moitié. Hein. En signal, je peux pas dire, justement à cause de la propague qui est derrière. En radio, ça a baissé facilement de moitié. Quoi. Ah là, ça va mieux, là. Ça y est, là, t'es remonté de mon côté au niveau radio. Ben, je te dis, au niveau signal, pour moi, j'ai la propagation AM qui est là, et qui, du coup, me montre le signal à l'identique, là, pour toi, Eric. Et, c'est-à-dire autour de 4-5 par là, mais est-ce que c'est vraiment ça? J'en sais de rien, parce que, ben voilà, j'ai la propagation qui est derrière, qui me fausse tout, quoi. Ah, ok, d'accord, ok. Ben pour l'instant, on n'est que 3. En attendant que les autres stations arrivent derrière, là, tout doucement. Voilà. On est que 3 pour le moment. Retour à toi, Eric. Ok, pas de problème. Oui, je sais pas, tu avais lancé la vidéo, c'est bon? Ok, attends, j'ai pas suivi la question, désolé. Tu te demandais si tu avais lancé la vidéo, voilà, c'était pour savoir. Ah oui, à 21h pile, j'ai démarré la vidéo. Vas-y, dis-moi, tu veux que je fasse une coupure dans la vidéo? Non, c'est comme ça, moi je pourrais faire la comparaison, hein, voilà, j'ai pas de soucis. Ah, merde. Mais écoute, je sais pas si l'autre personne a écouté, on va laisser le petit verre. Oui, enregistrer le break, en avant le break, avec les bonnes 131 de l'ensemble du groupe. C'était très QRP, très noyé là dans la propague. Peut-être même que c'est un étranger qui a breaké, enfin qui a parlé, je sais pas, en avant. J'ai de tout et n'importe quoi qui m'arrive là, petit derrière, là je sais pas, j'arrive pas à décortiquer de mon côté. Hein. Oui, c'est Loïc. Ah, avec du mal, oui, j'ai réussi à comprendre. Ok, Eric, qu'est-ce qu'il a dit, hein? Il a dit qu'il allait changer son antenne, il va essayer de mettre la filaire, hein, pour moi. Ok. Ouais, non, mais tu vois, c'est pas que qu'il passe pas fort, c'est que là, tu vois, là, ce soir, par rapport à hier soir, c'est un petit peu le caca, là, derrière. Mais je suis pas surpris, parce que j'ai contacté les stations de ton côté, là, du côté de chez toi, par là, et depuis 18h, la propagande est vachement baissée. Ah oui? Et pour remonter là d'un coup, là maintenant quoi? Ah oui, les stations que je connais qui ont un bon signal d'habitude m'arrivaient ce soir avec une radio beaucoup plus faible. Voilà, et c'est la propagation, moi ça le fait des fois. C'est moi Eric, ça me dérange pas. Hein. Oui, tout à fait Thierry, c'est le cas de dire. Mais là, t'as les efforts là. Voilà, ok. Voilà, c'est vrai que ça avait vachement baissé tout à l'heure. Là, mais là, c'est nickel. Ok, mais là, ça a dû rebaisser, tu vois. Ah, j'ai entendu quelqu'un là. Ouais, je crois que c'est Cédric. Voilà, si c'est Cédric, là, c'est fatigué, je vous compte.
Moi aussi, pareil, hein, c'est très très QRP de mon côté. Voilà, par rapport à tout à l'heure, ça a vachement baissé, Cédric. Là, je ne te comprends pas. Ah, t'as fait des coltages, j'ai tiré. Ok, bye. Eric, c'est quoi déjà l'indicatif là, de Cédric? De tête, je m'en rappelle plus. Attends, faut regarder sur le tablette, je m'en rappelle plus de tête. Hey, je crois qu'on a la même tête, hein. Ah, ça va mieux, là, hein, Cédric. Ouais, je pensais que Cédric était en train de parler. Oui, Cédric. Ouais, ce soir, on va le voir. Aïe. Ouais, donc c'est... ouais, deux secondes, Eric. Je te reprends aussitôt. Apparemment, Chameau n'est pas là, quoi. Je te reprends là de suite. Je te laisse rentrer les éventuels breaks que j'entendrai pas de mon côté. Ouais, ok. Il y a vraiment beaucoup de ce soir. Justement, Cédric, là, je l'ai aussi sans. Il est en train de m'expliquer vite fait. Là, il a plusieurs problèmes qui vont certainement l'empêcher là, de reprendre là, la module ce soir. Ah, ok. C'est quoi ton indicatif? Il est là, Delta. Ça, c'est pour le petit signal qui sera mis en cours de minute. Oui, oui, comme ça, tu pourras t'entendre sur la vidéo, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on appelle une mise en boîte. Hein. Qui voudrait participer au grand question national. Là, t'entends le bordel que fous, moi, en fréquence de mon côté. Comment veux-tu que je décortique quelqu'un là-dedans, hein? Là, je suis avec le 6009M, avec la station pour expédition. C'est... j'ai une puissance, ça, c'est bon. Je
Oui, j'ai entendu quelqu'un là derrière, les 1351 à la station. Je sais pas si j'ai pas eu le temps de voir si avec le bruit qu'il y a d'entendre si c'était en français ou pas. Voilà, il y a en fréquence 14 Victor Echo 27 qui est sur Villeneuve-d'Ornon et moi 14 ODR 002 qui est du côté de Saint-Émilion, question la bataille, QRZ local d'Andy 33. Et non, c'est un étranger apparemment. Bon, ça devait être encore un étranger, je pense, Eric. Hein. J'ai entendu parler, mais alors elle est chiffrable, hein, moi aussi c'est pareil, je peux pas te dire. Hein. Non, bon, ça fait la grâce à ma télé. Attends, je clôture avec Cédric là au niveau du 600. Du 600 hein. J'ai été laissé là. Ça marche. Ok, on se fait contact. Ok, ça marche. Pareil, à plus. Ok, ouais, je retourne. D'accord, je retourne le message de commande, il n'y a pas de problème. À plus. Bon, voilà. Donc, Cédric. Alors. J'ai noté son éducatif, voilà, Cédric, c'est-à-dire que je le retrouve, 14 Lima Delta India 73, non, 14 Lima Delta 173, voilà, vient de passer QRT car il a un petit souci là, avec son installation là du jour, mais bon, il est quand même en écoute là derrière, hein. Donc là, il met le casque et il nous écoute, hein. Et il envoie par la même occasion les bonnes 1351, la bonne soirée, et bonne continuité de QSO à tout le monde. Réponds à Belsegor là sur le forum parce que on n'entend pas et puis il dit que c'est un peu la cacophonie, mais quand on n'entend pas la personne, on ne peut pas faire autrement. Hein. Je suis désolé Belsegor, je ne sais pas si tu me reçois. Mais tu lui réponds un petit message, Rémi. Putain, je viens de me rendre compte que j'étais pas connecté. Putain. Alors attends, c'est me voilà dessus. Ok. Alors. Ouais, ok, je lui réponds de suite. Hein. Ok, voilà, ça y est, message envoyé. Ouais, donc, j'ai eu fin de matinée, là, justement, là, le Cédric, là, le 14 Lima Delta 173, là, au 600. Et donc, justement, je demandais s'il pouvait passer dans le QSO ce soir, car il avait deux trucs, justement, là, dont il voulait nous parler. Voilà. Alors, première chose, il voulait justement parler du fait qu'il fait du dépannage de postes. Bon, bien sûr, c'est pas du bénévolat, faut pas se tromper. Mais il se propose justement là, de faire du dépannage là, à ce niveau-là. Et aussi, il devait nous faire un petit exposé, là, de nous parler de ce système de relais dont il nous a parlé à Radio Broc, c'est-à-dire choisir une fréquence sur le 27 mégas
utiliser Internet comme relais, et ce qui fait que on pouvait activer le canal 27 en même temps de ce côté-là. Et les stations, oui, sur Internet, via un logiciel, pouvaient par la même occasion participer au QSO. Donc voilà les deux choses dont normalement il aurait dû nous parler ce soir, mais bon là, vu le merdier que c'est, là c'est pas possible. Ouais, je laisse un petit blanc, mais là je n'entends personne, là ce soir, moi j'espère que c'est pas trop grave, c'est pour le technique. Hein. Oui, oui, c'est technique. Déjà, d'un côté, je crois qu'il a un câble trop court, et aussi... Oh putain, qu'est-ce qu'il m'a dit oh putain, c'est pas vrai, cette mémoire. Enfin, il a plusieurs... Oui, oui, c'est que technique, hein, il n'y a pas de problème. Eh bien, pas tant que ça, quoi. Il manque encore des heures de sommeil. Je me suis réveillé un premier coup vers 6h moins le quart, chie, pour être debout à 6h30, quoi. N'importe quoi, quoi. Attends, je sais pas si j'ai pas entendu quelqu'un derrière, allez, ça blanc. 6h30 ou je sais plus. Ah, il y a quelqu'un. Oh, je sais plus. Quoi. 7h30. 7h30. Ouais, mais c'est pas mal décalé, je suis en train d'essayer la pêche. Il y a deux stations. Ok, Belphégor, les bosses à 1351, toi. Putain, il y a un tel bordel ce soir que là, tu as vraiment de la chance d'arriver à passer, quoi. Là, il y a beaucoup de propagne du côté de la M, ce qui fait que ça nous bouche complètement le côté BLU. Oui, Eric, il y a Belphégor derrière, mais j'ai entendu aussi une autre station là avec. Retour à toi, Eric, pour Belphégor. Ok, Belphégor, 73, les invités. Écoute, je t'entends murmurer, toujours pareil, mais je te sens pas. Désolé, je comprends pas. Voilà. Ouais, mais Fégor, là, ce coup-ci, là, c'est pas passé, là, c'est... Putain, et on se plaint quand la propague n'est pas là, mais par contre, en BLU, mais quand c'est de la propague AM, là, qui nous arrive, putain, ça nous ferme tout, hein, ça nous bouge tout, hein. Ouais, c'est Rémi, là, qui avait pris le micro, voilà. J'ai entendu une autre station parler en avant la deuxième station que j'ai entendue aussi là, pour le QSO. Alors je crois que j'ai dû récupérer la station sur le 275.950. Comme quoi, je suis allé, il a fallu aller très haut, là. La station, est-ce qu'il était possible de te recaler en fréquence, s'il te plaît, car là, tu es beaucoup trop haut, là. Bon,
Oh non, là, c'est... J'arrive... non. Soit il est parti, je sais pas, là, je n'entends plus, quoi. Eric, as-tu entendu quelque chose, toi? Quand il parle, je comprends pas, j'arrive pas à déchiffrer, mais sinon, j'entends. Oui, bonsoir messieurs. Ah, bonsoir messieurs, j'ai entendu, oui, bonsoir. C'est Pierre-Michel, service de blague, qui vous salue. Ok, Pierre-Michel, 63-51, c'est côté de blague, oui, c'est ok. Et ça fait plaisir de t'entendre, je te remercie. Et puis je vais repasser le micro à Rémi, à toi Rémi, à Pierre-Michel sur la région de Blaye. Ok Pierre-Michel, et bien sur 1351 à vous. Mais malgré le bruit qu'il y a là derrière, vous arrivez très bien à passer là sur le QTH, c'est-à-dire Sainte-Colombe. Il y a deux stations qui ont parlé en même temps. Beffegor, je crois que c'est toi qui as parlé. Pierre-Michel, alors 14, Victor Guimard, et trois petits points pour les numéros, j'ai pas compris la fin. 52-53. Ah oui, d'accord, ok. Ok, reçu, 22-53. C'est bien pris. Alors, 22-53, c'est enregistré. Oui, de retour, retour de micro sur Belphégor. Non, c'est pas Belphégor qui a pris le micro. Ok, retour du micro sur Eric. Ok, mais il y a Pierre-Michel, j'ai entendu, oui, il n'y a pas de souci, mais il y a une autre station aussi, tu m'as dit. Je n'ai pas tout suivi. Ben, il m'a semblé, je sais pas, à moins que ce soit Pierre-Michel qui a pris le micro tout à l'heure, ou voilà encore une autre station derrière. Putain, là, c'est pas évident. Là, je vois pas comment là on peut faire un QSO là, avec le bazar qu'il y a derrière. C'est plutôt short, là. Ok, Pierre-Michel, il y a une station qui a essayé de vous appeler là derrière. Là, j'ai entendu la très QRP là de mon côté et un peu décalé en fréquence pour la même occasion.